De paralyser de façon beaucoup plus agressive le démarrage des services. C'est ce qui permet, quand on compare le démarrage d'un système entre un système démarré sous système D et un système démarré sous système init, le système démarré sous système D est généralement beaucoup plus rapide à être prêt à être utilisé. Le démarrage est vraiment beaucoup plus rapide. Il y a aussi tout un système d'activation. Je précise que le problème que j'avais n'était pas lié à système D, parce que je vois des personnes qui riquent. Maintenant, je m'appelle Sébastien Roux, je suis ingénieur système et tout ça. Je tiens à remercier les organisateurs. Monsieur Desmaisons, monsieur le permis de présenter ce dossier pour être devant vous aujourd'hui. J'ai une fille qui m'offre la journée gratuitement, c'est quand il ne part pas. Ainsi que le SGI, le scolaire de génie informatique et l'édition ENI qui permettent de diffuser mon savoir au plus grand nombre. C'est que des fois, dans ce genre d'architecture, le nœud actif n'est pas forcément assez performant pour supporter l'intégralité de la charge qu'on lui soumet. Et dans ce cas-là, il va falloir multiplier le nœud actif et donc changer le type du cluster, passer dans un cluster de type actif-actif, cluster flex, où tous les nœuds vont répondre aux besoins en même temps. Ce service tombe entièrement avec lui. Donc dans ce cas-là, il va falloir au moins rajouter un deuxième répartiteur de charge, qui lui prendra le relais du second en cas de défaillance.
Alors que choisir? Il existe plein de solutions, beaucoup de solutions, commerciales ou non, matérielles ou non, propriétaires ou non, pour faire de la répartition de charges. Les Cisco, Barracuda, Fi, Zen, Orcad, Sonian, comme ça, si le serveur tombe, comme elle est partagée partout, et bien ça fonctionnera tout. Alors on a vu, ça marche. Redis fonctionne, hein, 4 lignes, 4, 2, 2 machines, 4 lignes, et ça fonctionne. Sauf qu'on a quand même des petits soucis. Déjà, le NVS ne met pas en place l'adresse IP tout seul. Quand on monte un NVS, il faut faire à la main. D'autre manière, par exemple, j'ai 22 répartiteurs. Il fait quoi? Sans prod, en intégration, quels sous-réseaux sont gérés? On ne peut pas se rappeler. De même, l'accès aux traces, le monitoring, voilà. Vous êtes des ingénieurs systèmes, il va falloir y aller à la main. Donc ça peut être un peu compliqué. La solution, ça pourrait être d'utiliser l'interface graphique. Alors ça tombe bien puisque je développe depuis 2009 une interface graphique libre qui s'appelle Make Alive. Alors je vais vous montrer juste quelques slides, question de temps. Voici par exemple ici le point d'entrée vers la gestion des répartiteurs des charges. On voit les interfaces réseau qui sont gérées, les différents 90-95 que nous avons besoin. Mais bien sûr, on n'a fait que survoler le strict minimum, le survoler en 20 minutes, puisque les capacités du produit sont largement supérieures à ce que je viens de vous présenter. Si vous avez des questions, je serai disponible à l'extérieur. Ensuite, je vous remercie pour votre attention. Bravo. Alors, bonjour, Lucie va nous présenter ce qu'est le cloud.